Bonjour les enfants, ça va? Vous allez bien? Comme vous voyez sur l'écran, il y a l'empreinte d'une main. Cette main, c'est la main gauche. Pour savoir quelle de vos mains est la gauche, mettez votre main sur l'écran comme vous voyez. Très bien. Faites attention à les pouces. Bravo, très très bien. C'est la main gauche. Répétez. La main gauche. Et maintenant, cherchez une feuille blanche. Tracez votre main gauche avec un stylo feutre. Voilà. Je prends mon ciseau. Je découpe la main gauche soigneusement. Et je fais attention à mes doigts. Et voilà, j'ai fini. Je prends un stylo feutre et je trace les angles. Et aussi, je peux dessiner des motifs sur ma main gauche. Voilà, comme des lignes très obliques, des ronds. Aussi des vagues. Je peux dessiner ce que je veux, d'accord? Des traits horizontaux, verticaux. Et aussi, je peux dessiner des fleurs. Je décore ma main gauche à mon choix. Et voilà ma main gauche avec l'empreinte que j'ai préparée. C'est joli. Et maintenant les enfants, on a une deuxième empreinte. Est-ce que c'est la main gauche? Pour savoir, posez la main gauche sur cette empreinte. Ah non, ce n'est pas la main gauche. Essayez de mettre l'autre main. Ah oui, c'est la même empreinte. C'est la main droite, les enfants. Répétez, la main droite. Très bien. Et maintenant, posez la main droite sur une feuille et tracez-la avec l'aide d'un grand papa ou maman. Puis, je découpe l'empreinte comme on a fait pour la main gauche. Et aussi, je prends un stylo feutre différent du premier. Voilà, je dessine aussi les angles. Ici, on a choisi la couleur rouge. Voilà. Et je décore ma main, l'empreinte de ma main droite avec des fleurs ou d'une façon différente de la première empreinte gauche. Avec des fleurs, je fais des dessins à mon choix. Et voilà l'empreinte de ma main droite et aussi. Voilà les deux empreintes, main gauche et main droite, empreinte gauche et empreinte droite. Pour écrire, tiens bien ton crayon avec ton pouce et ton index. Pour les enfants qui travaillent avec la main droite, on l'appelle droitier.
et qui travaille avec la main gauche, on l'appelle gaucher. Voilà, ici, il y a deux bons. C'est une technique pour bien tenir le stylo ou le crayon. Voilà, je mets la bande verte à l'intérieur de la bande violette et je tire les deux côtés de la même couleur. Voilà. Regardez bien. Et maintenant, je prends mon stylo et je le pose au milieu de cette façon. Puis je tire la couleur bleue et la couleur verte d'une façon qu'il sera serré. Voilà. Et je mets l'index et mon pouce de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, je peux écrire avec le pouce et l'index d'une façon facile et correcte. Voilà, j'ai fait l'expérience chez mon fils. Voilà, d'une façon qu'il peut tenir bien le crayon. Et voilà, c'est fini la séance, la main gauche, droite.